Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle session d'Avenue Centrale. Je suis très heureuse d'accueillir Pauline Boucher, qui est maîtresse de conférences en études théâtrales à l'Université Grenoble-Alpes. Elle est spécialiste de dramaturgie québécoise contemporaine. Ça a été le sujet de sa thèse qui a été publiée chez Peter Lang en 2019. Et elle s'intéresse tout particulièrement à l'improvisation, qu'elle pratique par ailleurs. Elle fait partie de Performance Lab de l'UGA, une plateforme qui rassemble des chercheuses et des auteurs et autrices autour d'une nouvelle manière de pratiquer la recherche par l'expérimentation, l'action et la création. Et c'est précisément ce fil rouge de votre pratique, Pauline Boucher, puisque dans votre enseignement, comme dans votre recherche, vous articulez désormais les arts de la scène et l'action, en l'occurrence auprès de patients de services de cancérologie. Un projet que vous avez commencé en tant que bénévole et que vous poursuivez en donnant des cours d'improvisation à l'hôpital, mais aussi vous proposez des ateliers à la faculté de médecine auprès d'étudiants de quatrième année. Alors, cette compétence, ces nombreuses compétences plutôt, vous valent d'être la responsable du programme de recherche Arts Santé dans l'UMR Littéar et d'être associé également à la SFR Santé qui fait partie de l'UGA. Alors cette recherche qui articule soins et arts de la scène, recherche et action dans le monde social, est le sujet qui nous occupe aujourd'hui et que vous allez nous présenter dans cette nouvelle session. Quand art de la scène et médecine dialogue, récit d'expérience. Je vous remercie, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là derrière vos ordinateurs. Et c'est une chance de pouvoir être quand même un petit peu en présentiel malgré tout, au moins avec Naïma pour cette session. Je vais revenir un peu sur la présentation qui a été faite et qui m'amène à ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit vraiment de récits d'expérience aujourd'hui, c'est-à-dire comment sur le campus de l'Université Grenoble-Alpes se sont tissés progressivement ces dernières années des liens entre les arts de la scène et la médecine sous un certain nombre de formes et comment en fait à partir d'innovations qui ont été d'abord des innovations pédagogiques en fait liées à la formation, on en est venu à ouvrir des nouvelles pistes de recherche interdisciplinaires entre les arts de la scène et la santé dans le sens le plus large. Donc cette communication, elle se propose de présenter un récit d'expérience en fait. Depuis 4 ans, des échanges s'opèrent entre la faculté de médecine et le département d'art du spectacle. Et tout a commencé en fait avec le professeur Philippe Chaffanjon, qui est chirurgien thoracique au CHU de Grenoble et PU en anatomie, qui a contacté un jour le département d'art du spectacle car il souhaitait mettre en place un dispositif en fait de simulation de consultation. Lorsqu'il a fait appel au département d'art du spectacle, il est tombé sur ma collègue Ariane Martinez, qui maintenant enseigne à Lille, et c'est avec elle qu'ils ont monté ce dispositif, donc qui met en jeu des étudiants de deuxième année d'art du spectacle et des étudiants de quatrième année de médecine. Il s'agit donc pour les étudiants d'art du spectacle de jouer des patients dans des simulations de consultation avec des quatrième années de médecine. Ce qui fait vraiment la force de ce dispositif, c'est une interdisciplinarité vécue, qui n'est pas simplement un slogan, mais qui est vécue concrètement en fait dans une simulation d'entretien et qui permet vraiment une rencontre pour des étudiants qui ne se rencontraient jamais, pour la bonne et simple raison que les étudiants en médecine sont sur un autre campus à partir de la deuxième année et n'ont donc pas de communication avec le campus le plus large. La synergie en fait art du spectacle médecine, c'est donc construit sur plusieurs années, le dispositif grossissant, et je dirais qu'elle s'est accrue en fait récemment avec à la rentrée 2020 l'installation de l'Institut de formation des professionnels de santé sur le campus et qui est en face de la maison de la création et de l'innovation,
qui est un lieu où travaillent notamment les masters en art de la scène, master dans lequel j'interviens. Donc finalement, géographiquement, nous sommes les uns en face des autres et cela nous amène encore plus peut-être à aller taper à la porte d'en face pour discuter de collaborations possibles, j'y reviendrai. Par ailleurs, un autre contexte institutionnel fait que nous allons dialoguer de plus en plus ensemble, puisque une nouvelle composante est née, réunissant en fait les UFR de lettres, d'art, de langue, de sciences humaines, mais aussi de santé, pharmacie, médecine et de sport, autour d'une composante dont le projet commun est la prise en compte et la compréhension de l'humain. En tout cas, c'est comme ça que ça a été présenté par l'université, donc c'est important d'investir là aussi ce qui ne doit pas être qu'un slogan, mais quelque chose de l'ordre de la réalité vécue. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, en fait, c'est deux récits d'expérience assez différents. Les simulations de consultation, qui est donc finalement un projet pédagogique qui met en lien deux formations, la formation en médecine et la formation en art du spectacle. Donc ce dispositif s'appelle CHUI, donc CHU Improvisation. Et puis un deuxième projet qui là est peut-être plus proche de ce qu'on connaît en général des liens entre art de la scène et médecine, puisque j'ai été amenée à travailler au CHU en cancérologie auprès de patients dans le cadre d'un atelier d'écriture théâtrale qui a donné lieu ensuite à des représentations. Donc c'est intéressant de voir que cette question d'art de la scène et de médecine peut prendre en fait plusieurs formes. Une forme pédagogique autour de l'entretien médical, comme expérience sociale et intime, mettant en jeu des étudiants qui ne se rencontrent d'habitude pas, donc c'est là où c'est tout l'intérêt. Et d'autre part, la question des arts de la scène auprès des patients et la question des représentations de la maladie ou du récit polyphonique de la maladie auquel le théâtre peut activement participer. Ce qui est aussi important à dire sur ces récits d'expérience, c'est que ce sont à chaque fois des soignants qui sont venus chercher les arts de la scène. C'est assez intéressant ça aussi de le noter, c'est-à-dire que nous ne sommes pas allés démarcher auprès du milieu de la santé avec des compétences que nous pouvons avoir en arts de la scène, mais c'est plutôt la sensation chez les soignants qu'il y avait peut-être des choses à faire avec nous intéressantes qui ont poussé à ces collaborations. Donc dans un cas, Philippe Chaffanjon, dont j'ai parlé tout à l'heure, et dans le cas du deuxième projet d'atelier d'écriture en cancérologie, c'est une psychologue du service d'oncologie, Alexandra Dougnon-Denis, qui est venue contacter le département d'art du spectacle en ayant cette envie de travailler sur les représentations du cancer et en se disant que le théâtre pouvait être utile à ça. Je reviendrai sur cette question-là. Au milieu de tout ça, moi, je me suis retrouvée comme un tiers familiarisé. Je reprends en fait là une expression d'une maître de conférence en philosophie, Julie Henry, qui a parlé de cette position de tiers familiarisé et que je trouve très juste en fait pour la position qu'on peut avoir dans ce genre de projet. C'est-à-dire que je suis toujours dedans, dehors. Je ne suis pas une soignante. Cependant, je suis bénévole en soins palliatifs depuis plusieurs années, donc une après-midi par semaine, je suis dans un service hospitalier, en particulier de cancérologie. Je ne suis pas une artiste, c'est-à-dire je n'ai pas une compagnie, mais je suis une enseignante en art du spectacle, donc j'ai des liens avec des artistes très souvent que je fais intervenir. Donc au fond, ma position dans ces projets-là, et c'est cette position aussi que je trouve intéressante, c'est celle vraiment d'une médiatrice qui permet aussi de faire communiquer ensemble des domaines qui ne se connaissent pas et qui, en général, n'ont pas le même vocabulaire et souvent ont des a priori sur l'autre discipline, hein, ce qui est tout à fait normal. Donc on va commencer par le récit d'expérience autour du CHUI, ces simulations de consultation là, que nous faisons depuis maintenant 4 ans ou peut-être 5 ans. On en est peut-être à la 5e année, en fait, je me rends compte en vous parlant, qui donc mettent en jeu des étudiants de 2e année d'art du spectacle et des étudiants de 4e année en médecine. Pour moi, l'intérêt en fait premier, c'est le dialogue de formateurs qui viennent de disciplines différentes. Et toute la question en fait de la pédagogie interdisciplinaire trouve vraiment un aspect très concret dans cette expérience-là. L'idée, en fait, c'est d'opérer une reconnaissance mutuelle des disciplines. Là, je cite Frédéric Worms, qui a parlé de cette question-là récemment dans un colloque en humanité médicale, en disant que l'important, c'était que chacun reconnaisse les compétences de l'autre dans sa discipline, sans pour autant se dire spécialiste de la discipline de l'autre, en acceptant qu'il n'est pas le même vocabulaire qu'il faille aussi d'apprendre. Et c'est vraiment ça qui se passe avec les formateurs en médecine. Donc c'est le docteur Philippe Chaffanjon qui a travaillé avec nous, qui s'est occupé de rédiger des canevas types de symptômes à exprimer pour nos étudiants qui allaient jouer des patients, et des types aussi de patients qu'il avait l'habitude de croiser dans les services, donc le patient hyper renseigné qui est allé sur internet, qui connaît sa maladie, le patient revendicatif qui tourne depuis 3 heures dans le parking du CHU et qui arrive avec déjà une tension avant l'entretien, et puis plein d'autres profils. Et c'est à partir de ces canevas et de ces profils de patients
que moi, je forme les étudiants en art du spectacle dans un cours qui, chez nous, est un cours d'improvisation de 24 heures autour de cet entretien médical, avec ce qu'il peut avoir à la fois de préparer, donc toute la question du canevas, comment on intègre aussi un canevas, et ce qu'il peut avoir aussi de libre dans la liberté de jeu qu'ont les étudiants dans ce cadre-là. C'est un cadre très particulier parce que ça se déroule à huis clos. Ce sont des entretiens qui ont lieu dans des salles de consultation du CHU. Il n'y a aucun formateur présent, donc il n'y a pas de regard extérieur. Et ils sont filmés, en fait, par le service audiovisuel de l'UGA, qui fait un très bon travail, d'ailleurs, je le dis, ici, et qui, du coup, filme tous les entretiens, ensuite fait les montages, et les formateurs ne voient finalement le résultat du travail que dans un second temps, ce qui permet une vraie liberté, en fait, de jeu dans ce huis clos aussi, pour les externes qui sont là et pour nos étudiants. Ce qui interroge aussi sur ce qu'est l'expérience d'un entretien médical, c'est-à-dire quelque chose d'intime, la porte est fermée, on est souvent à deux, et se jouent là des choses qui ne se joueraient sans doute pas dans le collectif. Donc c'est aussi des questions ouvertes qui sont assez intéressantes. On a pu constater, en fait, avec les formateurs en médecine, que malgré la différence de nos disciplines, il se trouve que nous cherchons dans le travail des choses communes. La question de l'acuité du regard, par exemple, la lecture attentive de l'autre, pour moi, sont des choses essentielles, en fait, dans la pratique théâtrale, et de la même façon le sont aussi dans la clinique. Donc c'est vraiment des lieux aussi communs de discussion, cette question du regard, de la lecture de l'autre, et notamment de la lecture du corps de l'autre, qui est évidemment le cœur, finalement, du travail médical, mais qui en fait en théâtre a un impact aussi énorme dans la question du jeu de l'acteur. Donc on s'est retrouvés dans des terrains communs, et peut-être qu'on ne s'y attendait pas d'une certaine façon. Donc c'est là aussi l'intérêt de l'interdisciplinarité. La question aussi du briefing et du débriefing, c'est-à-dire comment préparer nos étudiants, chacun dans nos disciplines respectives, comment on n'a pas la même façon de s'exprimer devant nos étudiants, c'est pas la même chose d'enseigner en art du spectacle et d'enseigner en médecine, vous pouvez l'imaginer, et ça se confirme. Nous n'avons pas forcément les mêmes outils, nous n'avons pas forcément le même rapport aussi à nos étudiants, tout simplement. Et ça nous a permis d'apprendre en fait aussi les uns des autres dans cette formation interdisciplinaire. Et puis cet exercice est venu interroger des choses pour moi assez cruciales, et notamment la question de la fiction. Puisqu'en fait, cet exercice de la simulation d'entretien a un rapport à la fiction très particulier. Les quatrièmes années de médecine viennent d'une certaine façon jouer leur propre rôle, tout en n'étant pas encore des médecins, donc n'ayant pas non plus l'habitude d'être seul face au diagnostic et seul face aux patients dans une salle, comme c'est le cas là dans ce qu'on leur propose. Et mes étudiants aussi viennent jouer une fiction, mais qui n'est pas au même niveau de fiction, puisqu'ils ne jouent pas leur propre rôle. Ils viennent souvent avec un nom d'emprunt, avec une autre vie aussi qu'ils s'inventent. Donc on est face à une situation théâtrale qui finalement arrive très peu dans le milieu théâtral, c'est-à-dire une fiction qui n'est pas sur le même niveau pour les deux participants, les deux acteurs qui sont présents. Donc ça, j'y reviendrai parce que c'est venu vraiment déplacer aussi des questionnements sur ma propre discipline en art du spectacle. C'est ça qui est intéressant en fait aussi dans les dialogues comme ça interdisciplinaires. Donc voilà, pour les formateurs, un vrai dialogue qui s'est instauré, une vraie reconnaissance des disciplines autour de cette expérience intime que peut être la consultation. Pour les participants, je dirais une vulnérabilité partagée. Et pour moi, ça aussi, c'est très important. Nos étudiants, en fait, ont à peu près le même âge, mais ne se rencontrent pas forcément. En revanche, ils ont la même situation, en général, sociale. Ils vivent les mêmes expériences d'étudiants et n'ont pas forcément l'habitude de les partager, en fait, ensemble et de connaître la discipline de l'autre. On n'est pas non plus dans une relation inégalitaire, comme ça peut être le cas dans d'autres simulations. Il y a beaucoup d'endroits, aujourd'hui, où on fait des simulations d'entretien en fac de médecine. Et parfois, on fait appel à des acteurs professionnels ou parfois à des patients experts qui sont de véritables patients. Et pour moi, c'est pas la même situation en fait de communication. Là, on est face à des étudiants qui sont en formation, tous. Donc, ils sont vraiment dans leur questionnement sur leur avenir, dans une forme de précarité en fait qu'ils partagent aussi. Et c'est cette vulnérabilité en fait qu'ils arrivent à partager aussi qui est le cœur, je pense, de notre travail. D'ailleurs, on leur laisse un temps de débriefing seul, encore une fois, qui se passe à huis clos. Une fois qu'ils ont terminé l'entretien, qui en général dure autour d'un quart d'heure, ils se retrouvent dans une salle tout seuls.
Là, je dirais que c'est la réalité qui revient, qui prend le pas sur la fiction. Ils enlèvent les masques, en tout cas, de ce qu'ils ont travaillé dans l'entretien, et ils peuvent se parler vraiment directement en se disant ce qu'ils ont ressenti aussi dans cette expérience. Et étonnamment, c'est peut-être là que se joue la formation, en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'on avait pensé que c'était dans les simulations d'entretien qu'interviendrait le plus de pédagogie, mais pour moi, c'est dans ce lieu-là où chacun, en fait, évoque sa discipline, explique ce qu'il a ressenti, que ça permet de remettre, en fait, au centre la question de l'entretien médical comme une expérience qui reste quand même une intersubjectivité à travailler, une intimité qui intervient dans un contexte social. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont très importantes, je trouve. À la suite de ces simulations d'entretien, j'ai proposé une année en 2019 aussi quelques ateliers en fait de théâtre pour les quatrièmes années qui voulaient continuer le travail, parce que comme on fait passer toute une promotion, en fait c'est beaucoup de gens, mais ils ne passent qu'une seule fois malheureusement pour les quatrièmes années de médecine. Nos étudiants en art du spectacle jouent plusieurs fois, hein. Et du coup je me dis que c'était important aussi de les retrouver dans un autre contexte et de leur proposer un véritable atelier en fait de théâtre au-delà de la simulation d'entretien et du dispositif posé. Donc j'ai fait ça en 2019 et espère pouvoir le continuer à d'autres moments. Ça a permis vraiment un déplacement en fait pour ces étudiants. Déplacement très concret puisque je les ai fait venir en fait sur le campus côté art du spectacle, et donc ils ont été amenés à venir à l'Est, qui est l'espace scénique transdisciplinaire sur le campus de l'université Grenoble-Alpes, dans lequel eh ben ils ont été amenés à travailler dans des studios de théâtre. Donc pour des étudiants en médecine, venir à un cours où ils doivent se mettre en chaussettes et travailler la question du corps, c'est suffisamment en fait déjà un déplacement pour provoquer en fait des discussions très intéressantes et une ouverture d'espace de parole en fait aussi pour eux qu'ils n'ont pas forcément en fait dans le cadre de leur formation. Donc ça, on a pu le faire une fois avec les volontaires, donc ceux qui avaient envie finalement de travailler encore après la simulation de consultation. Donc on a travaillé beaucoup la question des limites de l'espace corporel. Quelles limites aussi ils dépassent quand ils sont dans les services, et notamment leurs propres limites corporelles qui sont finalement très peu interrogées dans leur formation. Souvent le corps, c'est le corps anatomique de l'autre, mais c'est pas forcément le corps expressif soignant, son propre corps en fait de soignant. Donc on a interrogé ça par un certain nombre de jeux en fait que l'on utilise en improvisation ou en échauffement, en art de la scène, mais qui finalement a un impact très fort pour eux. Et la question de la juste distance notamment entre les corps a été centrale dans ces ateliers. Et la question du début de consultation aussi. C'est intéressant, en théâtre, la question de l'entrée en scène est vraiment très, très importante, comme elle l'est en fait pour un médecin. Une entrée dans une chambre, une entrée dans une consultation va définir un certain nombre de choses et un pacte qui va s'installer en fait avec la personne soignée, qui va avoir beaucoup d'impact sur la communication par la suite. Donc c'est cette première entrée en scène, comme moi je l'appelle, hein, venant de ma discipline, a une importance aussi. Aujourd'hui, on dispose d'une banque de vidéos de ces simulations de consultation, et on a développé l'utilisation de cette vidéo. Donc maintenant, les troisième années de médecine peuvent avoir accès à ces vidéos dans une formation autour de la communication qui est dispensée notamment par Alexandre Bellier, qui est un docteur qui nous a beaucoup accompagnés aussi, hein. C'est lui qui a aussi organisé toute la logistique au CHU pour nos simulations. Donc les troisième années, avant de réaliser les simulations avec nous, regardent des vidéos aussi, les commentent, un aspect aussi réflexif sur ce qu'ils peuvent voir de la vidéo. Donc ça aussi, c'est assez intéressant, et ça continue de multiplier les liens qu'on peut avoir pédagogiques. Ça va sans doute se développer davantage encore, dans la mesure où, avec les réformes des études de la santé, aujourd'hui, tous les étudiants de médecine vont devoir passer une épreuve qui consiste en une simulation d'entretien. Donc nous allons sans doute être de plus en plus sollicités aussi pour nos compétences, tout simplement en art de la scène, mais aussi pour être un regard extérieur, comme on a pu l'être dans ce dispositif. Donc voilà pour ce premier dispositif qui est assez original dans sa forme, en tout cas un lien entre des étudiants d'art du spectacle et des étudiants de médecine. Le deuxième dispositif, qui s'appelait Résiste Cancer, est un dispositif plus classique, c'est-à-dire c'est une intervention au CHU auprès de patients pour donner des ateliers d'écriture théâtrale. Donc là, c'est une psychologue, Alexandra Dougnon-Denis, qui m'a contactée un jour, sachant que je travaillais déjà avec le milieu de la santé, pour mettre en place des ateliers avec des patients, parce qu'elle sentait qu'il y avait besoin de questionner les représentations du cancer et de le faire avec le moyen spécifique de l'écriture théâtrale. C'est ça aussi qui m'intéresse, c'est les raisons pour lesquelles on vient chercher les arts de la scène aussi, qui sont pour moi les lieux de réflexion. Évidemment, interroger les représentations
automatiquement la question du théâtre et de son incarnation physique sur scène intervient comme une possibilité en fait aussi autre d'interroger la représentation d'une maladie. L'idée en fait de reconstituer un récit, de mettre en scène une fragmentation, une polyphonie de la maladie qui va au-delà de juste son expérience personnelle, eh bien le théâtre permet ça en fait, permet cette mise en place de plusieurs voix, cette confrontation aussi des voix sur scène et cette question de l'incarnation, comment mon récit de maladie va être incarné par un acteur, par quelqu'un d'autres, comment je suis capable de donner une parole personnelle, mais aussi de l'abandonner pour que quelqu'un la prenne en charge, en fait, et vienne rajouter sa subjectivité par-dessus. Donc ça, vraiment, le médium théâtral pour ça permet ces déplacements en fait, de point de vue sur un parcours de soins, par exemple, et permet d'apporter un récit plus polyphonique. Donc nous avons réalisé des entretiens avec des patients, avec Ariane Salinia, qui était ingénieure d'études chez nous, qui maintenant est intervenante en art santé, donc qui justement a ce rapport-là double. Puis des ateliers d'écriture à la Maison de la Création et l'Innovation, où des patients donc, du CHU venaient suivre des ateliers avec Ariane Salinia et moi-même. Puis ensuite des ateliers d'écriture à distance, puisque nous avons basculé dans le confinement. Et ensuite, tout un travail d'écriture au plateau avec une metteuse en scène, Louise Bataillon, qui a accompagné le projet et qui a fait travailler donc les patients autour du passage à la scène, accompagné par deux acteurs professionnels. Mais les patients eux-mêmes ont pu participer aussi sous la forme d'un chœur, en fait, à la représentation finale. Et ce projet en fait qui est artistique et aussi un projet d'action finalement culturelle est aussi devenu en partie un projet de recherche puisqu'on y a associé une sociologue, Catherine Guchet, qui est spécialiste en fait des questions aussi de santé et qui est venue donc observer les représentations, qui a distribué des questionnaires aussi aux spectateurs qui étaient là pour voir quelles modifications de leur représentation de la maladie ce spectacle pouvait opérer sur eux. Donc c'est vraiment un projet comme ça là aussi à plusieurs voix d'une certaine façon et plusieurs points de vue sur un même objet qui était le cancer, mais qui était retravaillé chacun par son médium ou sa discipline. Donc, je trouve que c'est aussi ça qui est intéressant dans ce genre de projet, c'est la multiplication des points de vue sur un même objet, la maladie, dont on a des représentations, en fait, aussi, et dont le grand public a des représentations et qui demande à être retravaillé, en fait, d'une certaine façon. Là encore, je me suis retrouvée dans cette position de tiers familiarisé dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée de faire communiquer ensemble des gens qui ne se rencontrent pas forcément, une psychologue, une sociologue, une metteuse en scène, des patients du CHU, et trouver peut-être l'endroit juste de la communication, la possibilité de les faire communiquer ensemble autour d'un vocabulaire commun. Au-delà en fait, du récit de ces expériences là, que je vous ai fait rapidement, mais qui vous donne un peu les possibilités en fait, de projets art santé qu'on peut mettre en place, ce qui m'a interrogée, c'est comment ça m'a déplacée dans ma discipline en, fait, en art de la scène. Comme l'a dit Naïma en introduction, moi je suis spécialiste de dramaturgie et d'écriture contemporaine, donc sur le papier, je n'ai rien à voir avec la santé, a priori. mais finalement, ça invite à repenser sa discipline et à penser quels liens sont possibles, et notamment toute cette question de la fiction théâtrale, du récit polyphonique de la maladie, du dialogue des représentations aussi, ce sont finalement le cœur des études théâtrales et ça me permet de réinvestir en fait toute la question de la dramaturgie qui pour moi est essentielle, je la réinvestis dans un objet qui est autour de la santé. Il faut rappeler ici, et c'est pas seulement anecdotique, que à la fin du 19e et au début du 20e siècle naissent en même temps la question de la clinique, du regard clinique et la mise en scène, la question de la mise en scène. Et que beaucoup de metteurs en scène du début du XXe siècle, là je reprends Mireille Loscolena, qui a écrit un très bel article qui s'appelle « L'œil clinique de la mise en scène moderne », justement. Tous ces metteurs en scène du début du XXe siècle, notamment les naturalistes, se réclament en fait de ce regard de l'expérimentation médicale, de la clinique en fait, et ce début de la psychologie accompagne le début du regard du metteur en scène. Et c'est pas juste métaphorique, c'est un vrai travail qu'on peut avoir en commun, en fait, dans des disciplines différentes. Donc cet art spécifique du regard, mais aussi la question du langage et de l'adresse, qui sont vraiment très importantes en fait en études théâtrales, hein, à qui on s'adresse, comment on s'adresse, quelle distance on instaure avec la personne à qui on parle, toutes ces choses-là sont présentes en fait dans l'acte médical. Je voudrais citer ici Maria Cabral, qui est une chercheuse portugaise qui travaille justement sur cette question des humanités médicales au sens large et qui fait un très beau parallèle en fait entre l'entretien médical et la situation théâtrale. Elle dit « En tant qu'exercice de parole, l'acte de récit en contexte thérapeutique reste une activité vue, perçue et entendue en situation de coprésence, engageant des modalités de sens variées,
du dire au silence, du langage corporel à un repli. En cela, il convoque le théâtre, phénomène social et communicatif, autant qu'artistique, prédisposé à relier les corps et les discours. Donc, je trouve qu'il y a un vrai lien entre l'entretien médical, cette situation d'entretien médical, et la situation théâtrale dans son ensemble, et qui n'est pas juste accessoire ou une métaphore. C'est pas juste la question du théâtre au service de la médecine ou comment on développe une bonne communication. Et moi, je me bats un petit peu aussi contre ça. Le théâtre n'a pas à être prestataire de service, en fait, des personnels de santé. En revanche, je pense qu'on a des choses à se dire en termes de recherche qui peuvent être communes. Et c'est là le dépassement, en fait. C'est passer de l'innovation pédagogique où on nous demande, en fait, on nous fait une commande, en fait, en art de la scène, pour aller vers des sujets de recherche communs où on aurait vraiment des choses à partager en termes de recherche. Et justement, ça, c'est quelque chose qui se développe, en fait, à l'Université Grenoble-Alpes. De plus en plus, on s'est aperçu qu'on a des objets de recherche communs entre le milieu de la santé, le milieu des sciences humaines et le milieu des arts. Autour de cette grande discipline, si on peut appeler ça une discipline, parce qu'elle est définie par son interdisciplinarité, que sont les humanités médicales. C'est un grand champ, en fait, qui a été ouvert depuis les années 70, aux États-Unis notamment, au Canada ensuite, et qui arrive, en fait, progressivement en France. On trouve un certain nombre de diplômes en humanités médicales, un certain nombre de labos qui commencent à travailler sur les humanités médicales. Et il se trouve qu'à l'Université Grenoble-Alpes, il n'y avait pas encore vraiment cette dynamique, et que, à travers ces expériences-là très concrètes, qui sont des expériences pédagogiques, on a commencé à se dire que là, il y avait la possibilité de réfléchir tous ensemble autour de cette question des humanités médicales. Alors, les humanités médicales, qu'est-ce que c'est en résumé ? C'est vraiment la question de replacer l'humain au centre des pratiques médicales. Là, je cite Céline Lefebvre, qui a fait un très bel ouvrage sur les humanités médicales. Elle dit « Les humanités médicales constituent un champ de recherche et de pratique en plein essor. Elles interrogent les savoirs et les pratiques en médecine en mobilisant l'histoire, la philosophie, les sciences sociales et les arts. Les humanités médicales ne viennent pas, telles des compléments ou des suppléments pour humaniser le soin, donc ça c'est une chose importante aussi, mais elles viennent éclairer en fait les aspects politiques, sociaux, éthiques et artistiques en lien avec le milieu de la santé. Donc voilà, là il faut vraiment avoir en tête qu'il n'y a pas la volonté de venir depuis les arts ou les sciences humaines pour venir humaniser une pratique qui ne serait pas là, ou pour être justement prestataire de service pour améliorer des compétences, mais plutôt de se dire on a un objet commun, l'humain, et comment on l'interroge depuis nos disciplines différentes et comment on a des choses à partager. Donc une véritable interdisciplinarité vécue. Et cette volonté va prendre en fait un aspect très concret, un projet en fait en formation et recherche à l'Université Grenoble-Alpes, qui s'appelle GAMES, donc Grenoble-Alpes Medical Humanities, qui sera en lien avec un certain nombre d'universités justement anglophones qui ont pu déjà développer en fait cette chose-là. L'idée, c'est de développer un pôle pédagogique et de recherche autour des humanités médicales, de proposer en fait des séminaires où on pourrait justement réfléchir aux liens qu'entretiennent les arts de la scène et la médecine, d'intervenir en tant qu'enseignant de sciences humaines et en arts du côté des médecins et vice-versa, qu'ils puissent venir suivre aussi certains cours chez nous. Ça existe déjà un petit peu en partie. Moi, j'ai développé un séminaire en master art santé où j'essaye de faire dialoguer ensemble des gens qui sont en sciences sociales, en arts de la scène, aux beaux-arts, autour de projets art santé. Mais on a envie que ça devienne un peu plus important aussi. Il me semble que c'est là qu'on trouvera vraiment des choses importantes à se dire, au-delà des innovations pédagogiques, au-delà de la question de la formation. Oui, c'est intéressant de faire des simulations d'entretien en médecine. Oui, on peut les développer, on a des compétences à apporter. Il y a peut-être aussi des questionnements fondamentaux dans chacune des disciplines qui vont pouvoir être retravaillés avec un autre angle de vue. Et pour ma part, je travaille actuellement à réfléchir à la fiction théâtrale dans le cadre des performances médicales. Là, je reprends un terme d'Alex Mermikides, qui est une enseignante qui travaille en Angleterre sur cette question des performances médicales, mais dans le sens vraiment théâtral du terme. C'est-à-dire comment les arts de la scène mettent en scène la santé, le soin, la maladie, la médecine, et comment on peut analyser ces objets scéniques qui en ressortent. Donc la fiction, la question du jeu aussi, parce que je me rends compte que je suis interrogée là-dessus par mes propres étudiants
qui en fait questionne la direction d'acteur dans le cadre de simulation de consultation. Qu'est-ce que ça veut dire de venir jouer là, dans in situ, dans un CHU, d'être filmé? C'est pas du théâtre, c'est pas du cinéma, c'est pas la réalité, mais c'est un peu la réalité aussi en même temps. Donc comment définir ce mode de jeu là si particulier qui n'existe finalement nulle part ailleurs dans aucun autre contexte théâtral, et comment aussi chaque chercheur déplace son point de vue autour de cette figure donc du médiateur ou du tiers familiarisé dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà les enjeux un peu ouverts. Vous avez vu un peu le trajet d'un dispositif très particulier d'innovation pédagogique à un déplacement de chacune des disciplines pour réfléchir à un vrai projet global de recherche en humanité médicale à l'Université Grenoble-Alpes. Voilà. Je vous remercie. Je crois que j'ai utilisé mon temps, il me semble. Oui, absolument, parfaitement dans les temps. C'est bon. Merci infiniment pour cette conférence passionnante qui soulève un grand nombre de questions.